Mardi 27 mars 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la rap pour nous capables de porter pour deuxième sortie téléjournal là pour semaine. Si là, d'ores et déjà, on n'a pas souhaité tout le monde. Passons une excellente journée de mardi en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Mes principales points cap gain pour faire essentiel journal là pour jeudi mardi pour une fois qu'on a commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Oknam Klamida Meus questionné hier lundi 26 mars là dans le ministère de l'éducation nationale et formation professionnelle 24 fonctionnaires qui affectés dans service budget pour question corruption 4 fonctionnaires ça qui étaient accompagnés commissaire gouvernement Port-au-Prince là à la prison après yo fin répondre question. Un voilier qui tape sauté dans la commune Saint-Louis-du-Nord pour prendre direction Zile la Tortue fait naufrage dans la nuit samedi 24 mars 2018. Là, plusieurs personnes ont disparu parmi eux, un prêtre catholique. Président de la République, la Jovenel Moïse, visité qui était gagné le ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Carmel André Bélière, fait une visite dans la commune Torbeck, dans le département sud de pays, dans la date samedi 24 mars passé. Dans l'occasion, chef l'État haïtien a gardé plusieurs systèmes d'irrigation qui gagnent dans la zone Torbeck. Ministère de la Communication a exprimé solidarité avec la famille Vladimir Le Gagneur et puis porter toute collaboration et coopération et puis toute corporation journaliste. Le ministère a précisé autorité la police avec la justice peut travailler pour permettre de gagner lumière qui fait dans dossier si là. Ensemble pour savoir qu'un pilote a bien pour faire essentiel le journal pour matin, on peut vite rester branché, on peut tourner un petit moment. Merci parce que vous toujours été branché télévision nationale d'Haïti n'a pas bienvenue dans le développement information. Jacques a annoncé dans différents titres au commissaire gouvernement Port-au-Prince Lamet Oknam Klamida Meus et questionné lundi 26 mars là dans le ministère de l'éducation nationale avec formation professionnelle 24 fonctionnaires qui affectés dans le service budget pour question corruption. D'après le ministère de l'éducation nationale avec formation professionnelle là Josué Agenor Kader les fonctionnaires suspects dans plusieurs chèques subventions qui disparaissent dans le ministère si là. 4 fonctionnaires qui étaient accompagnés commissaire gouvernement Port-au-Prince là aller reparler dans prison après au fin répondre question commissaire. N'a pas invité sur un extrait micro Roosevelt Desrosiers avec Jean Fleury. Nous vivons en Haïti, un pays qui est grondé par la corruption à tous les niveaux, pas seulement dans l'état, même dans dehors l'état. Et moi même dans tête ministère ça nous dit faut non ça nous capable faire faut que nous combattre la corruption tout partout. C'est dans ce sens ça. Depuis le mois de juin, m'a bail subvention pour des petits monde l'école qui dans l'école primaire, dans l'école fondamentale, dans l'école secondaire, dans l'université. Mais j'ai en pile plainte qui t'a fait me connaître que dans pile subvention bail, les petits monde ça joine subvention en chèque là, soit chèque là perdu ou bien yo joine des monde cap négocier avec eux pour yo partager chèque là avec eux. Information t'a fait me connaître que un gros réseau qui a fonctionné qui a concerné plusieurs services dans le ministère qui gagne l'autre ministère tout là-dedans qui gagne l'autre ministère là-dedans tout. Et bien c'est comme ça là, m'étais obligé aujourd'hui à l'aime fin prendre toute qualité donnée, m'étais convoqué toutes 24 membres qui travaillent dans le service budget pour me poser aux questions, pour me dire mais ça m'entendait, mais ça ne gagne parce que j'ai un pile cas, un pile plainte qui vient joindre moi. Et bien c'est comme ça, un pile monde qui victime vienne joindre moi personnellement vienne pour me plaindre et c'est dans ce sens ça je dis pendant que en en réunion avec mon yo dans convocation de faire commissaire gouvernement lui-même devine paraître côté grand pile parole qui t'a parlé et devant commissaire m'était exposé tout ça me comme reproche à moun qui dans budget et grand pile l'autre service tourne dans ministère que me des informations que bagarre qui a fait qui pas droit dans yo on va marcher sur tout faut que tout bagarre change dans ministère éducation nationale. Donc si ministère le ministère éducation nationale, faut que c'est un ministère qui trace l'exemple dans tout le bagage. Après dossier ça nous touche là, qui nous met la justice, commissaire gouvernement aller avec un peu de monde, qui a le temps de haut, par contre qui ça cap sorti, il va le poser aux questions, parce que moi-même je vous dis ça, ministère éducation nationale n'est pas une instance de juridiction. L'aime jouer un bagage, eh bien faut que nous saisir la justice pour lui-même chercher jouer une vérité. En termes de droit, là n'a pas de droit à faire la loi. Pas de monde qui est coupable. Tout le monde sont présumés innocents. Je vais donner, je vais soumettre le commissaire à donner. En fonction de toutes les données que je vais donner, je vais poser une question pour connaître qui est impliqué. Je vais dire que 24 personnes.
commissaire était vrai pour aller avec tous les 24. OK? Mais en après, nous venons parler, il voit que la prend 4 gros dans chef yo qui gagne bagage puis qu'a dit et l'autre yo tout, yo pas exempté. Il gagne l'autre tout pas attendre tout. Et faut que nous déjà nous grand pile monde qui déjà en cavale, gagne monde même qui déjà quitté pays là, là on connaît qu'un dans ministère éducation nationale, nous on lutte pour pénétrer contre la corruption. Et nous on l'autre là qu'on nous va le bénir parce que nous t'a informé tout conseil de direction côté moun yo, yo chita manger l'argent l'état, yo pas venir travailler du tout. Et nous t'étant écrit directeur général là pour nous demander une activité de présence pour un pile monde qui dans ministère ça. On pouvait tout nous joindre dans pile là yo, nous qu'on faire bloquer chèque yo, bloquer frais qu'on gagne. Parce que nous, c'est un bagage qui ont un genre drôle dans l'État. On sait des gens qui présent, qui travaillent chaque jour, qui n'ont pas de frais, qui n'ont pas de carburant, et puis on a des gens qui n'ont jamais de travail, qui ont de frais. Donc c'est question de bruit de travail, choix de galonner. Et je dis à nous, il faut que ça suspende. Nous disons nous-mêmes, nous devons écrire l'administrateur, nous, quand nous faisons bloquer chèque, bloquer frais, on n'a pas de gens qui disent que c'est gros cadre dans le ministère qui n'ont jamais de travail. N'a pas toujours été dans le même dossier si là pour nous faire connaître un commissaire gouvernement Port-au-Prince la mettre Oknam Kramé Damius fait connaître 4 fonctionnaires dans le service budget ministère éducation nationale l'ital coûté dans paquet Port-au-Prince sous question chèque subvention qui disparaît yo accusé pour corruption détournement fonds vol subvention pour moun qui n'a besoin à association malfaite dans ce ça paquet à kembe moun ça pour capable continuer enquête là on a invité suivre un bout d'intervention commissaire gouvernement Port-au-Prince met Oknam Kramé Damius. Moi te prendre des mesures pour me demander que moun sa yo pour yo capable mettre yo à disposition commissaire gouvernement. C'est pour ça que me te rendre sur les lieux matin dans la journée dans le ministère éducation nationale et une fois que me rivé moi demander pour me rencontrer tout personnel cap travail dans service budget éducation nationale. Alors là nous parler de service budget, c'est un langage technique, c'est des monde qui a réglé toute question financière ministère et qui gagne par exemple les ministres là font une réquisition bien voyons réquisition qui a gagné pour exécuter réquisition ça. Et parmi réquisition ça yo, ou gagne des réquisitions que ministre a signé pour accorder des subventions à ça n'est capable de des écoliers démunis que parents n'ont pas de moyens pour payer l'école pour eux. Maintenant, l'aime arrivé, m'te gagné pour m'te tendre, m'te joindre que gagné 24 personnes qui affecté dans service ça. Après m'te fin prendre les premières déclarations de moun sa yo, m'te rendre moi compte gagné 4 là-dedans yo qui concerné par question corruption en dans service ça que les services budget ministère éducation nationale. Donc c'est comme ça que moi-même m'te prendre le soin pour m'te capable venir dans paquet avec tout moun sa yo en même temps me demander tout moun qui dans service là tout pour venir parce que paquet attendait tout moun continuer attendait tout moun pour verbaliser déclaration yo et aussi vérifier les pertinences des informations. Donc c'est comme ça que me gagne là et 4 dans moun sa yo que paquet a apkembe dans cadre d'enquête qu'a mené sous question corruption, détournement des fonds, vol des montants d'argent destinés aux subventions à des démunis et aussi quand on dit démunis, on dit des écoliers qui n'ont pas qui pas qu'à payer écolage et puis nous gagnons association de malfaiteurs. Donc c'est pour ça que apkembe moun sa yo dans cadre d'enquête que paquet a ouvert sous question corruption dans ministère éducation nationale. Maintenant, j'ai gagné 4 moun sa yo là, j'ai gagné c'est Mathieu Harrison, j'ai gagné Jonas Metellus, j'ai gagné Cheriza l'unique et j'ai gagné Jacques Junior Diver. C'est des moun qui responsables et qui cap travaille comme étant chef de service, assistant chef de service, coordonnateur service budget dans ministère éducation nationale. L'autre information dans le journal, le directeur général des services maritimes et de navigation d'Haïti, Bruno Dieudonné, confirmé l'information qui a circulé sous le canal qui a coulé dans la zone de l'île La Tortue pendant le week-end qui s'est passé là. Selon le responsable Semana, le canal qui a sorti pas de paix pour aller sous l'île La Tortue, pas de rien pour l'activité commerciale. C'était un petit canal, ce n'est pas commercial.
Donc c'était un privé, d'après information que nous avons retrouvé sur place par représentant nous qui port de paix. Te gen un prêtre qui était d'après qui sorti Saint-Louis qui était voulait aller la tortue. Les monsieur était voulait aller, te gen plusieurs monde qui était décidé aller ensemble avec elle. Et c'est plusieurs monde ça qui vienne cause, vienne gen un surcharge dans canoa qui gagne pas à supporter et pas cap supporter tout monde ça que te gen à bord là. Jusqu'à présent nous même dans semaine nous pas comme nombre de monde non. Mais il paraît que tu es surchargé et il arrivé au cours de route et chaviré. Jusqu'à présent information nous gagne que nous beaucoup jamais prouvé et gagne 5 monde, 5 survivants et reste monde est porté disparu que député Abel Descollines dénoncé passivité il dit les constater qui gagnait sous dossier disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Député Mirbalé a mandé responsable police nationale d'Haïti avec paquet Port-au-Prince mener l'enquête pour capable retrouver et journaliste lui-même qui quittait la Khalil depuis plus passé 10 jours. On va vite suivre. Comme citoyen, comme journaliste de métier, de profession, mais comme député en fonction, face à disparition de journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Moi, exprimer inquiétude ça, puisque c'est révoltant au 21e siècle, c'est révoltant dans un état de droit, dans une démocratie, pour n'appeler déplorer que un journaliste l'y portait disparu dans de conditions qui pas capable élucider et nan moment n'a exprimé nous en là nous malheureusement pas en mesure ni en situation pour nous confirmer ni infirmer est-ce que journaliste là l'y envie ou pas. Toujours dans le même dossier, si la ministère de communication a exprimé solidarité avec la famille Vladimir Le Gagneur et puis toute corporation journaliste. Le ministère a précisé l'autorité, la police et la justice a pas travail pour permettre bien lumière qui fait sous dossier. Si le ministère de communication a renouvelé l'engagement gouvernement pour favoriser la liberté d'information et la liberté de la presse dans l'idée pour garantir un état de droit. Photojournaliste Vladimir Le Gagneur a réalisé un reportage dans le quartier Gravine. Dans la date mercredi 14 mars passé, depuis la sa famille, proche, amis, à collègues, pas j'en ai nouvelle. Président de la République, là, Jovenel Moïse, qui était allé, qui était avec le ministre de l'Agriculture, ressources naturelles et du développement rural, là, Carmel André Bélière, fait une visite dans la commune Torbeck, dans la date samedi 24 mars passé. Dans l'occasion, chef l'État a gardé plusieurs systèmes d'irrigation qui viennent dans la zone Torbeck, là. Divers mondes dans la population ont salué visite président de la République, là. Compte rendu, Sabine Joy-Tienne. Gauvin, Labat, Agdiboy, c'est côté ça yo dans commune Torbeck président République là Jovenel Moïse qui te gen avec les représentants Union européenne ministre agriculture Carmel André Béliard et puis plusieurs parlementaires visité samedi 24 mars là chef état haïtien te al gade plusieurs systèmes irrigation qui gen dans zone ça yo agriculteurs ak planteurs kon utilisé pour joindre l'eau pour arroser jardin c'est dans l'idée pour qui problème qui gen dans système irrigation yon façon pour garder comment yo ka exploiter pour permettre de travailler la terre, j'en plus de l'eau pour produire plus bien. Si nous parlons de financement, sécurité alimentaire et nutritionnelle, il faut nous mettre le pays en production. Parce que si c'est manger, nous n'avons pas acheté de l'autre côté pour nous venir résoudre le problème. Sécurité alimentaire avec nutritionnelle dans le pays, nous ne pouvons jamais résoudre. Mais là, nous vous étions, là, nous faisons route dans la zone agricole. Nous investissons dans l'agro-industrie dans le pays, ça permet. Paysans haïtiens, agriculteurs nous, entrepreneurs agricoles, ils sont capables de travailler et nous capables de vendre, manger. Ils ont besoin dans la cantine scolaire, manger qu'ils ont besoin dans le marché public. Nous avons droit, une capacité pour nous produire, manger ça pour nous vendre. D'après le président Jovenel Moïse, il y a plus passé 7000 hectares de terre dans la commune Torbeck qui a dû exploiter. Alors que c'est seulement 3000 hectares qui travaillent pour Koulia, ils pour mettre pendant le mandat là. L'ap travail pour porter amélioration dans ce secteur. Moi, dans plein Torbeck,
qui sont pleines, qui lui-même gain capacité pour le produire sur 7000 hectares, mais malheureusement c'est 3000 hectares seulement qui viennent de l'eau. Nous venons avec eux, nous venons regarder avec yeux par nous. D'ici dans 90 jours à 120 jours, pour nous joindre un document complet, pour nous capables de travailler, pour nous voir comment pour nous faire avec Bayer nous. Jean nous dit aujourd'hui, nous avons des priorités claires pour tous les partenaires techniques et financiers. C'est des priorités qui sont très claires. Nous disons ça, nous voulons dans le pays, nous travaillons pour mettre 120 000 hectares en valeur sur 4 ans qui étaient nous. Mais pour le faire, il faut nous mettre de l'eau sur eux. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous prenons une décision pour nous marcher dans tout gros périmètre irrigué. Député Tobeklan, Hervé Charles, quoi, visite ça vini dans un bon moment. Ça permet au chef d'État à comprendre la réalité à problème agriculteur zone là à faire face. Tobek, là nous garder son plein agricole ou plein sérieux et président voulait mettre toute terre en valeur, c'est la raison ça qui fait aujourd'hui nous débarquer dans la commune avec délégation ça et fume ça pour que capable faire étude ça. Et président mandé tout, faut que dans 90 jours bal rapport ça pour façon pour travailler capable démarrer rapide. Pendant visite là, président Jovenel Moïse était tout parlé à la population sous question route 16 d'Ibrahila, côté travail, il a fait un petit campé. Il fait qu'on est, travail pour le redémarrer tout de suite. Pendant le mandat des populations, prends-y patience. Parti politique pour organisation avec progrès organisé une journée réflexion dans le cadre d'activité pour marquer 23e anniversaire. Dans le cadre de journée réflexion, ça a été déroulé sous thème éducation, coordonnateur du mouvement populaire des Saliniens, agronome Jean-André Victor, qui était une intervenant, demandé autorités concernées à investir plus dans la santé et l'éducation. Un tuyau extrait dans le micro Mildred Milliard, ça a été Fresnel Toussaint. Nous demandons. Rentrer dans la conférence nationale souveraine, Jean PNDPH m'a dit l'autre jour encore, et en dans mon pot de la Kounia, il y a une dynamique comme ça qui crée, côté que tout groupe qui forme mon podio a demandé la conférence nationale souveraine. Et dans ce sens, ça, nous pensons vraiment, vraiment, c'est la seule façon pour nous retirer le pays dans ce lieu-là, en mettant tête nous ensemble. Faire conférence nationale là, de manière que nous puissions retirer le pays, nos nations, dans sa liée, et que Haïti, pour saleté en 1804, eh bien, tout le monde entier attend que nous ramassions le caractère nous pour nous changer le pays, ça, ballon l'autre orientation. Député Thierry Rouge là, Jovenel, lui, démenti information qui t'a fait croire que c'est député qui t'a la cause ministre de planification et coopération externe, maître Aviol Florent, pas débloqué l'argent fonds communal. Selon député, c'est mon qui a intention de mettre division entre responsables mairie et parlementaires qui a permis causer cela de yo. Parlementaire a invité représentants collectivité territoriale mettez tête ensemble avec parlementaire pour capable faciliter développement pays a. N'a pas invité suivi un bout dans intervention député Jovenel lui qui était dans micro John RP Casseus avec Maurice Ulbrich. Depuis là que nous arrivons dans 50e nan, nous te dit clair comme député nous pas rentrer dans projet fonds communaux. Et ça fait que sous période transition pas te gagné yon goud qui te déposé sous fonds communaux pour que te gagné projet te fait dans commune dans section communale yo. Et dans budget 16-17 là dans qui est un budget rectificatif tout simplement et commission budget dans chambre na te goumen yo met un petit paye monnaie qui c'est 2 700 000 goud pour que gon petit bagaille qui fait dans commune sous fonds et communal là parce que ben elle a été arrivé grave pour 2 années pas rien qui fait mais tout nous te dit le fait que nous te prendre décision pour ne pas entrer là-dedans dans loi finance là nous insérer un article qui dit que maire Rio a écrit projet yo et a déposé projet yo mais dans article là nous dit député circonscription qui gon pouvoir de contrôle supposé vérifier ou bien approuver projet que magistrat yo a déposé. Moi-même comme député et circonscription Terrier Rouge et à mettre foi nous pas jamais intervenu dans question projet fonds communaux parce que nous t'es voté dans loi de finances 16-17 là c'est magistrat yo qui gagne tout droit
pour être capable faire fumer qui projet pour yo, mais député à qui ont pouvoir de contrôle supposé approuver projet. Voilà, c'est avec dernière information ça que journal la Kaba pour matin, mais juste avant nous aller dans rappelons ensemble point qui était fait essentiel pour jeudi mardi. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Octambert Clamédamius questionné lundi 26 mars là dans ministère éducation nationale avec formation professionnelle 24 fonctionnaires qui affectés dans service budget pour question corruption. 4 fonctionnaires qui étaient accompagnés commissaire gouvernement Port-au-Prince là à la prison après au fin répondre question. Un voilier qui tape sorti dans la commune Saint-Louis du Nord pour prendre direction Zile la Tortue fait naufrage dans la nuit samedi 24 mars passé. Plusieurs mondes ont disparu, parmi eux un prêtre catholique. Président République la Jovenel Moïse qui était gagné clé ministre agriculture ressources naturelles et développement rural la Carmel André Béliard fait une visite dans la commune d'Orbec dans le département sud pays d'Haïti samedi 24 mars passé. Dans l'occasion chef l'État haïtien a gardé plusieurs systèmes d'irrigation qui viennent dans la zone d'Orbec là. Ministère de la Communication exprime solidarité avec Fonami Vladimir Le Gagneur et puis toute corporation journaliste. Le ministère a précisé autorité, la police et la justice a peut travailler pour permettre de gagner les lumières qui fait dans le cadre de dossier. Nous sommes contents de vous commenter pour nous être capable de porter pour la deuxième sortie téléjournal. Nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée de mardi. Nous avons cassé rendez-vous pour demain matin pour toute nouvelle sortie. Restez branchés chez nous puisque l'information a pas à poursuivre.